Alors, vous parlez de la conversion et de l'Esprit Saint pendant 45 minutes. J'avais prévu un plan qui semblait à peu près intelligent, mais je me suis dit, mon problème, c'est que comment rendre crédible mon propos? Parce que si l'Esprit Saint doit nous convertir, vu nos vies, soit il n'y a pas beaucoup d'Esprit Saint qui traîne, soit ça ne marche pas. Alors, j'aimerais vous partager un épisode de ma vie, commencer par un témoignage. Je vous prie, sortez les mouchoirs. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'étais à l'époque tout jeune frère, je n'avais pas tous ces cheveux blancs, et j'étais religieux depuis près d'une dizaine d'années, et les frères de ma communauté avaient la bonté de m'accueillir encore parmi eux. Je venais de faire ma profession perpétuelle. Et la question que tous se demandaient, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce zigoto-là? Où va-t-on pouvoir le mettre? Et c'était un petit peu la question que je me posais jour et nuit en disant, ils sont vraiment gentils de m'accueillir, ces frères. Ils sont vraiment chouettes. Et puis, je me suis posé cette question de plus en plus profondément. Et puis, des événements de la vie ont fait qu'un jour, je me suis retrouvé dans un état de déprime très avancé, ce que très poliment certains appelleront un burn-out, j'appelle ça une dépression. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis retrouvé en dépression. Alors quand on est en dépression à 30 ans, c'est quelque chose de très inhabituel. D'abord, on n'a pas l'habitude d'être en dépression. On n'a pas l'habitude de pleurer, surtout quand on est un jeune homme grand, beau et fort, et plus un peu plus maigre à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Et surtout que, étant né dans un bénitier et une famille chrétienne, j'ai reçu tout ce qu'on pouvait recevoir de bonne éducation, plus la vocation, l'appel de Jésus comme ce cadeau si beau à le suivre. Seulement, je me trouvais dans une impasse, l'impasse de que va devenir ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire demain? Je me suis rendu compte que dans ma tête se trouvait tout ce que je devais savoir. Je me rends compte maintenant que je me trompais, il en manquait déjà beaucoup. Il en manquait encore beaucoup. Et que parmi les choses qui manquaient, c'était une rencontre avec le Seigneur suffisamment forte pour que ma vie change, pour que ma vie soit bouleversée. Mais pourquoi donc bouleverser ma vie, puisque n'ayant tué personne, j'aimais Jésus au jour le jour, j'essayais d'aimer ma vacherie de prochain qui était à côté de moi et que ma vie se passait plutôt bien. Et pourquoi un jour le Seigneur m'a montré à travers les événements de ma vie, c'est bien ta vie chrétienne, mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Et allant de pire en pire, j'ai eu heureusement de l'aide, je suis allé consulter un médecin toutes les semaines avec les petites pilules bleues, où humainement on n'est pas très bien, jusqu'à ce qu'un jour je me mette enfin à dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Eh bien oui, parce que étant d'une bonne famille, je n'avais pas besoin d'être sauvé puisque tout allait bien. Je n'étais pas comme ces gens qui allaient faire des témoignages de vies incroyables, de vendeurs de drogue à la sauvette à la sortie des écoles maternelles, qui un jour ont une apparition de la Vierge Marie et qui transforment leur vie. Non, j'avais une vie normale. Mais je n'avais jamais fait l'expérience que j'avais besoin d'être sauvé par Jésus. Tout le monde m'avait dit, te rends-tu compte, Jésus te sauve. Je dis, c'est merveilleux, je sais, grâce à lui, je vais aller au ciel, grâce à lui, je vais avoir mes péchés pardonnés, et à chaque fois que je vais me confesser, mes péchés sont pardonnés. Et c'est vrai, quel bonheur, quelle chance nous avons quand nous voyons des gens qui n'ont pas la foi, on se dit, mais quel cadeau cette foi que nous avons donnée, ce que nous avons reçu. Mais je sentais que j'étais comme Pierre qui avait suivi Jésus et à un moment donné, en regardant sa vie, en se considérant soi-même, il s'est mis à s'enfoncer dans l'eau et il a fallu qu'il crie « Seigneur, sauve-moi » pour que Jésus l'attrape par les cheveux et lui dise « Homme de peu de foi ». Je vois très bien la situation de Pierre marchant sur l'eau, très fier d'être avec Jésus et devant les autres disciples et les apôtres qui étaient là « Regardez, je marche sur l'eau ». Eux devaient être jaloux comme des poux, et Pierre était fier comme Artaban, ravi de pouvoir marcher sur l'eau, d'aller rejoindre son maître, parce qu'il avait eu la foi pour sortir du bateau et marcher sur l'eau. Mais il avait fallu un jour rester sur l'eau sans se mouiller.
Et Pierre a commencé à se regarder. Pierre a commencé à se considérer lui-même. Alors il s'est mis à couler. Et Jésus, le saisissant par les cheveux, a répondu à cette prière, « Sauve-moi ». Alors il l'a élevé, il l'a emmené. Et je crois que Pierre a dû découvrir la plus belle des choses, que marcher sur l'eau c'était bien, mais avec Jésus c'était mieux. Nous prenons des gilets de sauvetage à chaque fois que nous prenons le moindre petit bateau qui se trimballe nulle part, quelque part. Mais nous, nous avons un gilet qui nous est offert au quotidien, et c'est Jésus. Me voilà donc en train de crier vers le Seigneur. Et je suis allé demander à l'Esprit-Saint ce que je n'avais jamais fait avant, de venir me sauver, puisque je n'en avais pas besoin auparavant. Alors un soir, dans la prière, des personnes m'entouraient et je leur ai demandé « Est-ce que vous pourriez demander au Seigneur de venir faire quelque chose pour moi, parce que je ne vais pas bien ?» Et je peux vous dire que pour un religieux en habit bien coiffé, habitant à Paris dans un joli quartier, dire « Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide », c'est très humiliant. Alors je suis allé demander la prière et le Seigneur est venu faire quelque chose d'absolument étonnant. Nous avons ensemble invoqué l'Esprit-Saint et demandé à l'Esprit-Saint de venir visiter ma vie. Des gens sont venus dire « Esprit-Saint, viens visiter sa vie. Esprit-Saint, viens le voir. Viens faire chez lui quelque chose parce qu'il en a besoin. » Des gens priaient pour moi. On demandait à l'Esprit-Saint de venir agir. L'Esprit-Saint, il avait comme avantage d'être transparent. On pouvait donc le citer tout le temps et dire qu'il était quelque part, sans pour autant avoir à prouver qu'il était là. Je pouvais donc citer l'Esprit-Saint au quotidien, mais dire « Alors finalement, il est où ?» Je n'avais peut-être pas expérimenté de la même manière que ce soir-là, sa présence transformante et salvifique. Après une heure de prière, où il m'a saisi le cœur, j'ai pu rouvrir les yeux et dire « Je suis sauvé parce que je suis aimé, je suis pardonné. » Jésus a donné non seulement sa vie pour que je sois pardonné de mes péchés, mais c'est mon état d'être sauvé. Qui es-tu ? Je suis sauvé et je m'appelle un tel. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Je goûte du salut au quotidien qui m'a été donné. Qu'est-ce que c'est que se convertir ? Se convertir consiste à quelque chose de tout simple, mais pas si facile. Permettez-moi, pour vous proposer de vivre cette démarche à titre personnel, la conversion dans l'Esprit-Saint, de ne surtout pas vous proposer de vivre la même vie que moi. Parce que ce serait totalement inintéressant, puisque ce serait non pas votre vie, mais un ersatz. Il existe une vie que Dieu aime, et c'est votre vie telle qu'elle est. La vie de chacune et de chacun d'entre nous n'est pas une vie hasardeuse. Nous ne sommes pas là parce que vaguement deux personnes se sont aimées plus ou moins longtemps, il y a plus ou moins longtemps. Et puis Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné une âme. Et comme on fourre des gâteaux pour Noël, je vais te donner une âme, comme ça tu vas être humain, et puis on va voir ce que ça donne. Pas du tout, depuis le premier jour de la création, il savait que nous serions là. Il savait que nous allions venir à l'existence, que nos parents s'aimeraient plus ou moins, et que lui allait pouvoir nous donner cette âme. Et il savait que nous allions être pour lui son fils, sa fille préférée, voulue de toujours à toujours, quels que soient les coups que nous ayons pris, nos imperfections. Il le savait, il nous aimait déjà avant même que quiconque ait pu penser à nous. Penser que les enfants qui ne sont pas encore connus à ce jour sont déjà aimés par le Père. Mais Adam et Ève, les premiers dans l'humanité, dans un acte fou d'orgueil, de bêtise et finalement d'humanité, n'ont pas fait confiance au Père et se sont réfugiés loin du Père. Ils sont tombés. Pourquoi c'est une chute ? Parce qu'ils étaient tout près et ils sont tombés, tout loin. Alors le Père n'a eu de cesse de venir chercher ses enfants. Il n'a eu de cesse de venir essayer de leur redonner sa proximité, parce que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un Père qui nous aime. De temps en temps, on dit aux gens, mais si nous avons besoin d'un Père qui nous aime, alors ils vous disent, ah oui, mais s'il faut un Père comme mon Père était, ça ne va pas.
Parce que parfois, nous avons des pères étonnants. Un comique français disait « Ce qui m'a le plus frappé chez mon père, ce sont ses mains. » Certaines personnes, quand on leur parle de l'amour de leur père, disent « Certainement, il y en avait. » Mais dans la réserve, pas dans les rayons disponibles. Et pour beaucoup, l'exercice de la paternité est bien difficile. Combien de pères se retrouvent à 40, 50, 60, 70 ans à dire « Ah, si j'avais su, j'aurais aimé différemment, mais en même temps, j'ai donné tout ce que j'ai pu. » Alors la paternité, ça fait peur. Alors la paternité, on en veut bien, mais quand même, attention. Alors quand un enfant a reçu beaucoup de tartes de son père, et qui, la première chose à laquelle il va penser, en pensant au père, il va se dire « Aïe, 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 quand on voit ce qu'il a fait au peuple, avec Noé, quand on voit ce qu'il a pu le corriger de temps en temps. » Mais d'abord, ce père l'aimait. Ce père a mis ce peuple dans une droite ligne, dans un droit chemin, il l'a mis. Il lui a proposé des rails dans lesquels aller. Il a commencé par des choses toutes simples, les 10 commandements. Vous imaginez qu'on arrive un jour dans cette église et qu'on dise « S'il vous plaît, aujourd'hui tu ne tueras point. » Visiblement, c'est pas clair, alors s'il te plaît, tu ne tueras pas. Qu'on dise « Ah bon, on va faire un effort, on va obéir. » Vous voyez, ce peuple était loin, mais le Père est venu le chercher, venu lui dire « Où tu es, je viens, j'irai où tu iras. Mon pays, ce sera toi. » Alors il est venu chercher son peuple, pour retrouver la proximité. Alors avec un peuple qui était non seulement distant, mais ce peuple qui n'était pas élevé, qui n'était pas éduqué, qu'a-t-il fait? Il leur a donné une nuée, il leur a donné des commandements, puis il leur a donné des prophètes, et ils les ont emmenés. Et ce peuple, petit à petit, s'est rehaussé jusqu'à ce qu'à un moment, quand on dit la plénitude des temps, elle est belle la plénitude des temps, quand on voit le monde dans lequel Jésus-Christ est arrivé. Le peuple d'Israël était enfoui dans de la magie au quotidien, dans une part incroyable d'action qui menait jusqu'aux démons. Il faut voir le nombre de démons que Jésus a dû chasser. La plénitude des temps selon Dieu, c'est une sorte de plénitude miséricordieuse où le Père dit « Non mais Samira, j'attends pas plus, je viens, c'est urgent. » Alors pour être encore plus proche de nous, il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour être comme nous. Mais non, je ne veux pas être ton père comme tu le crois avec l'image de ton papa à toi. Je veux être encore mieux pour que tu puisses recevoir. Je veux être ton frère, voilà, c'est fou. Je veux être ton frère. Mais quelle folie! Moi, je comprends très bien un certain nombre de scribes, de pharisiens ou de gens tout simplement dotés d'un machin qui s'appelle un cerveau, dire « Dieu, mon frère ». Non, mais franchement. D'un autre côté, on se dit, c'était quand même difficile de faire plus mauvais en communication. Il serait arrivé en terre d'Israël par une bonne apparition, un bon tremblement de terre, des anges dans nos campagnes qui réveillent tout le monde et pas seulement des pochetrons qui surveillent des biquettes. Le monde entier aurait su que Dieu venait. Et pourtant, il a pris la petite porte du petit frère, du petit enfant, du tout petit, pour être comme nous, à commencer par en bas. En fait, il a voulu assumer les choses. Je ne veux pas juste venir à côté de vous. Je ne veux pas juste venir comme vous. Je ne veux pas juste venir en faisant des choses comme vous, voyez, comme un pantin qui viendrait vous imiter. Non, je veux venir en vous. Votre vie, je veux la vivre. Pas parce que ça me fait une super expérience. Vous voyez, de temps en temps, on a des jeunes, quand ils vont passer une année à l'étranger, ils rentrent en disant « c'est incroyable, je viens de découvrir la vie ». Mais vous voyez, Jésus, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu découvrir la vie. Il est venu se découvrir dans notre vie. Il est venu manifester aux hommes sa proximité. Alors il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a pu prendre Dieu dans la main. Rendez-vous compte, ces tout petits, ces toutes petites qui s'approchent de la crèche et qui voient Dieu et qui se prosternent. Je suis sûr, l'un ou l'autre, ils ont dû essayer de lui toucher le petit doigt. Ils ont dû faire quelque chose juste pour le toucher, comme cette femme hémorroïde qui touche juste le manteau de Jésus et qui est sauvée. Et ces apôtres, imaginez, on est 12, enfin on est 13, on est sur un bateau, 12 plus Jésus, ça porte pas malheur, c'est sûr.
Et puis on va marcher sur l'eau ensemble, cette intimité qu'ils ont eue, ces repas partagés, ces moments où Jésus a dit à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi sur la montagne, je vais vous dévoiler un secret. Et paf, il dévoile sa divinité. Ah ben ces apôtres alors, quelle chance ils ont eu de pouvoir expérimenter Dieu. Quant à nous, l'expérience quotidienne de Dieu, heureusement qu'on nous a appris que la sécheresse spirituelle devait à la limite ressembler à de l'héroïcité ou à de la vertu, comme ça on peut se trouver très héroïque, faute de se trouver très proche de Jésus. Oui, je ne ressens rien depuis 40 ans, et j'en ai fait une fierté, je n'ai rien à ressentir, puisque cette proximité avec Jésus est toute spirituelle et intérieure, moins je ressens, mieux je me porte. Certains parmi vous ont été éduqués, élevés comme ça, voire dressés parfois, à avoir une vie spirituelle. Plus tu es dans le désert, mieux c'est. Tu souffres, remercie le Seigneur. Ça tombe bien, ça a vidé nos églises. Tu souffres, c'est pas grave, c'est la croix, réjouis-toi. C'est un peu raide. Quand on sait que Jésus est venu aider les pauvres, les malades, les pécheurs, les malentendants, les boiteux, les tous. Je crois qu'il n'y a pas un pet au casque qui n'est fait pour Jésus, qui ne soit fait pour Jésus. Jésus peut tout faire. Jésus peut. Et le voilà comme il est Dieu auprès des apôtres. Et puis, il meurt sur la croix. Mais rassurons-nous, avant même qu'il meure sur la croix, ils étaient tous partis, loin de Jésus, qui se promit alors de ne plus jamais être loin de ses apôtres, de ses disciples, de ses amis, quoi qu'il se passe. Si Jésus n'est pas resté sur terre, s'il est monté au ciel en disant « Si je ne pars pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint », c'est pas juste une condition en disant « C'est mieux que je parte, parce que si je pars, oui, vous verrez, je vous enverrai l'Esprit Saint, il est sympa ». Non, non. La finalité de Jésus, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint. C'est que nous puissions vivre de l'Esprit Saint. Saint Séraphin de Sarov, docteur de l'Église catholique, nous dit « La finalité de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint, acquérir l'Esprit Saint. Videz vos poches, sortez vos pièces, ça ne sert à rien. Si, mettez-le dans le tronc. » Mais il faut que... Vous voyez, si Jésus est parti pour que nous recevions l'Esprit Saint, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Je crois que le jour où Pierre a commencé à sombrer et qu'il a dit « Seigneur, sauve-moi » et qu'il a eu un contact capillaire avec Jésus, vous voyez, on dit quand c'est tiré par les cheveux, certains disent c'est capillotracté. Pierre a une expérience capillotractée de Jésus. C'est pas mal, non? Comment Jésus va s'adapter à chacune et chacun d'entre nous? Il a fallu le récupérer par les cheveux parce qu'il avait la grosse tête, il fallait faire dégonfler ça. Peut-être que le Seigneur va faire pour nous exactement ce qu'il faut. Et c'est ce mode-là qui est le mode de Dieu qui doit être pour nous un mode de rencontre personnelle. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour que nous tous, non seulement nous sachions, mais pour que nous vivions tout ce que nous avons à vivre. Le Seigneur n'a pas donné sa vie sur la croix pour partir et que rien ne change à l'extérieur. Évidemment, voilà, nous sommes sauvés parce que nous avons nos péchés qui sont remis, la porte du ciel nous est ouverte. Très bien. Mais ce n'est pas d'abord ça que Jésus veut nous donner au quotidien. Il a cette parole si forte qui dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » Quelqu'un qu'on ne voit jamais qui nous retrouve dans la rue, qui fait « Mon ami !» Alors que tu ne l'as pas vu depuis 200 ans, qu'il arrive, il fait « Mon ami !» avec un grand bruit devant tout le monde. C'est sûr, il va te demander un billet. Pars vite. Mais Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est dire à chacune et à chacun d'entre nous « Mon ami, mon frère, ma sœur, personnellement. » Et il veut le faire, sauf que lui-même ne voulait pas le faire par lui-même. Il a envoyé l'Esprit Saint pour que son amitié avec lui puisse perdurer. Et c'est là la clé. Les apôtres avaient Jésus.
nous avons l'Esprit Saint qui dirige l'Église, qui nous donne les sacrements, qui nous donne Jésus au quotidien. Que fait l'ami? Il se donne. Et Jésus se donne à nous. Et notre vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est de recevoir tout ce que l'Esprit Saint veut nous donner. Et la question se pose, je vous la pose, qu'est-ce que l'Esprit Saint peut bien nous donner? Deux choses principales. La première, c'est que l'Esprit Saint va continuer la mission de Jésus. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous donner? Il faut que nous interrogions Jésus. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu viens nous donner? Je dois vous dire, pauvre air que je suis, qu'il y a 6 mois m'est apparue une évidence, quelque chose à côté de laquelle j'étais passé depuis près de 40 ans. Jésus passe sa vie dans l'Évangile à nous dire « Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père. » Le Père avait été séparé de ses enfants par la volonté de ses enfants. Par la volonté et l'obéissance de son Fils, il veut unir à nouveau le Père à tous ses enfants. Jésus veut nous montrer tout ce que le Père donne et fait. Jésus passe l'Évangile. Amusez-vous à avoir ça comme clé de lecture pendant ce carême. Prenez n'importe quel Évangile. J'ai une petite préférence pour Jean sur ce point-là. Et Jésus dit tout le temps, « Qui me voit, voit le Père. Moi, c'est le Père qui agit. » Et nous, souvent, quand on regarde les paraboles, on prend la parabole des deniers, on prend la parabole du bon larron, pardonnez-moi. Prenez n'importe quelle parabole que Jésus fait et on a le premier niveau qui est le niveau de l'histoire où on doit avoir une morale, etc. Mais la véritable clé, c'est qu'est-ce que le Père me révèle de lui dans cette parabole? Qu'est-ce que le Père va me dire de lui-même? Jésus me parle de son Père tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Un artiste, quand il peint une toile, il nous dit quelque chose. Eh bien, Jésus, quand il parle, quand il agit, notre question c'est Jésus, qu'est-ce que tu vas me dire? Alors on peut attendre, mais une fois qu'on a la clé, on va gagner un temps fou dans notre vie spirituelle. Chaque parole que Jésus va nous donner va nous dire quelque chose du Père, va nous dévoiler une facette du Père. Reprenez l'Évangile, reprenez tous les textes, à chaque parole, chaque acte que Jésus fait, dit quelque chose de son Père. Non seulement ça le dit, mais ça le manifeste aux hommes. Et les hommes, à travers Jésus, peuvent voir la gloire du Père. Alors l'Esprit Saint va continuer la mission de Jésus. Et que va faire l'Esprit Saint? Il va continuer à manifester la gloire du Père auprès des hommes. Quelle est la gloire du Père? Le don de son Fils. Alors il nous donne l'Eucharistie. La gloire du Père, c'est de pardonner, alors il nous donne la miséricorde. La gloire du Père, c'est de nous conduire, il nous donne l'Église. L'Esprit Saint passe sa vie à nous manifester le Père du ciel. Et nous, on est là en disant, la paternité de Dieu, c'est pas clair ce truc. C'est pas clair. Ça veut dire qu'il faut peut-être que vous et moi, nous vivions cette véritable conversion. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Par l'Esprit Saint, redécouvrir le Père qui se donne à nous. Se convertir, quand vous écoutez des convertis, d'une manière ou d'une autre, ils vont tous vous dire la même chose. J'ai vu que le Père m'aimait. Alors ma vie, face à cet amour du Père, s'est redressée vers lui, s'est tournée vers, s'est convertie. Le Père, un jour, vient saisir un cœur et tout le reste vient se tourner vers lui. C'est ça, la conversion. La conversion, ce n'est pas d'abord se faire mal à coup de schlag pour dire « je suis pécheur et ça ne va pas ». La conversion, c'est pouvoir crier « Seigneur, sauve-moi ». Et le Père, dans notre pauvreté, peut venir nous sauver et nous montrer le fond de son cœur. Et quand on commence à saisir le fond du cœur du Père, alors ça devient tellement important dans notre vie que tout se tourne vers ça. Et notre vie est une conversion qui s'achève par le tourner vers entièrement le Père, entièrement tourné vers le Père. Ça s'appelle la vision béatifique. C'est le ciel. C'est pourquoi toute notre vie sur terre est une conversion pour nous tourner vers lui,
pour le comprendre de plus en plus et l'aimer de plus en plus. Pardonnez-moi si j'ai un peu de fougue en vous le disant, mais quand il y a une dizaine d'années, le Seigneur a eu la bonté de me dire « Ta vie, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu tues personne tous les jours, tu t'essayes de pas trop mentir, t'essayes, tu... c'est bien. » Et je suis sûr que le Père, voyant vos vies, voyant nos vies, dans le fond, dit « C'est bien les enfants, je vous aime, c'est bien. » Seulement, tu n'as pas encore découvert le trésor. Tu n'as pas encore découvert jusqu'au bout le trésor qui est que je t'aime. Non, non, tu le sais dans ta tête que je t'aime. Ça, tu le sais. On te l'a appris. Dieu est amour, madame. Oui. Si on répondait pas assez vite... On le sait. Alors aujourd'hui, vous et moi, ce sera ma troisième partie, puisqu'il y a eu deux parties avant. Je dis ça si jamais vous avez essayé de chercher à trouver la structure. Elle y était. Comment coopérer à l'œuvre de l'Esprit-Saint au quotidien? Comme transition, vous voyez, l'homme quitte le Père. Le Père n'est plus à côté de ses enfants. Alors il va surélever, c'est tout l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, les pères, son peuple jusqu'à lui de plus en plus. Et voyant que cette humanité, gentille certes, mais un peu abrutie, n'ira pas plus haut, laissez tomber les enfants, c'est moi qui viens. Et je vous donne ce que j'ai de plus cher, c'est mon fils. Et Jésus vient sur terre pour être notre frère, notre ami. Petite parenthèse, entre le fait que Jésus soit notre ami et notre copain, il y a un gap, hein. Au catéchisme, il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a des catéchistes parmi vous, quand j'étais enfant, et on nous faisait faire des rondes et coller des gommettes en nous expliquant que Jésus est notre copain. Là, ce n'est même pas les églises qu'on a vidées, on a empêché qu'elles se remplissent. Et ce n'est pas étonnant s'il y a eu des combats autour de l'amitié avec Jésus, puisque le fait que Jésus soit notre ami est le cœur même de notre vie chrétienne. Dieu se fait notre frère et notre ami et propose de vivre une vie commune avec lui au quotidien. Et exactement ce qu'ont vécu comme ont vécu les apôtres. Jésus prend deux apôtres, deux disciples, un pêcheur et un récolteur de bananes. Il les met ensemble et il leur dit, allez-y, vous allez partir en mission deux à deux, vous n'emmenez rien, vous chassez les démons, vous guérissez les malades. Et les gars ils disent, oui, bien sûr, on y va. Et ils y vont et ça marche, parce que Jésus est à côté d'eux. Et quand Jésus se fait arrêter, il n'y a plus grand monde à côté d'eux, et là, ça ne va plus. Alors Jésus va envoyer l'Esprit-Saint pour que cette présence soit à côté de nous à chaque instant. La conversion, alors, c'est d'abord de commencer chaque journée, chaque minute si possible, à nous mettre dans la présence de celui qui est là. Jésus serait-il mort sur la croix pour que nous soyons seuls ? « Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Ça veut dire qu'il ne va pas nous laisser sans Père et qu'il manifestait le Père. Et donc, il va envoyer l'Esprit-Saint, on le comprend a posteriori, qui nous manifeste le Père. Et donc, par l'Esprit-Saint, maintenant, à cet instant, je suis en présence du Père. Prenez un quart de seconde, mettez-vous dans sa présence. « Père, tu es là. » Oui, oui, ce Créateur si loin, non, il est si proche, par l'Esprit-Saint. Alors le matin, quand je me réveille, d'abord, avant de me mettre, c'est sûr que souvent je me mets d'abord en présence de mon réveil, puisque celui-ci s'impose à moi par son cri strident. Une fois que je l'ai écrasé contre le mur, je peux alors me mettre en présence du Saint-Esprit, que je peux essayer d'écraser de partout, il ne me lâchera pas. Il sera là à chaque instant. Et quand je me mets en présence du Saint-Esprit dans un acte d'adoration, « Esprit-Saint, je t'adore, viens tourner toute ma journée, tout mon être vers toi. » Alors toute ma journée peut entièrement changer. Alors qu'on me disait, « Si tu as de la souffrance dans ta journée, offre-le. » Je vais plutôt dire, « Esprit-Saint, dans la souffrance d'aujourd'hui, dans les joies et dans les peines, je veux être avec toi pour que la croix de Jésus qui s'est offerte vienne se planter dedans. » Fais-moi penser à cela, fais-moi vivre avec cela et viens me transformer. Jésus, en 3 ans,
a transformé la vie de ses disciples. Il a fait d'eux des idiots. Ils étaient d'abord une sorte de, je ne vais pas dire idiots, ce n'est pas juste, hein, voyez. Je vais exagérer, mais Pierre, c'était quand même un gros rustre. Ça reste un bon pêcheur du lac de Tibériade, quoi. C'est un gentil patron pêcheur. Eh bien, il en a fait, il est passé d'un rustre à un rustre aimé. Et plus tard, en 3 ans avec Jésus, il est passé de aimé à sauver, et de sauver à outil du sauveur. Eh bien, si lui, en 3 ans avec Jésus, il a été transformé ainsi, nous, chaque instant, chaque seconde de toute notre existence avec l'Esprit-Saint, qu'est-ce que ça pourrait nous transformer ? Sauf que l'Esprit-Saint, parce qu'il est poli et bien élevé, parce qu'il a écouté nos parents, n'agit certes, il agit certes à chaque instant, mais il n'agit en profondeur et avec force que si nous le lui permettons. Pourquoi ? À cause de l'amour. Parce que la première condition à l'amour, c'est la liberté. Sans liberté, pas d'amour. Quand vous dites à votre ami « Non, ne viens pas chez moi, l'ami ne viendra jamais » parce qu'il respecte trop cela. Mais quand vous lui dites « S'il te plaît, peux-tu venir chez moi ? Peux-tu venir m'aider, faire les transformations que tu veux ?» Quand le matin on commence par Esprit Saint, « Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas changer en moi ? Qu'est-ce que tu vas faire grandir en moi ? Qu'est-ce que tu vas transformer ? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ?» Je peux vous assurer, je peux vous garantir que vos vies vont être transformées, vont être des conversions quotidiennes, mais pas la conversion qui fait peur. Quand vous dites conversion à des jeunes aujourd'hui, eux ils pensent curé ou bonne sœur. Autant vous dire qu'ils pensent que leur vie sera foutue. Mais j'ai des jeunes qui ont vécu des conversions incroyables parce qu'ils se sont attachés à l'Esprit Saint, et des moins jeunes. Et quand vous leur dites conversion, ils disent joie, ils disent croissance. L'année dernière, j'ai eu la joie d'accompagner pendant 7 semaines d'affilée une paroisse aux alentours de Toulon, du diocèse de Toulon. Une paroisse qui avait décidé de vivre une effusion de l'Esprit-Saint, grand mot qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais pour eux, c'était « il va falloir que l'Esprit-Saint change quelque chose dans notre vie ». Et je suis arrivé à la première conférence en disant « dans mon cœur, je pense qu'on va tous louer le Seigneur, lever les mains au ciel comme le peuple d'Israël, et il va venir ». Et puis j'ai trouvé des gens normaux, pour beaucoup d'un grand âge, qui pendant toute leur vie avaient été fidèles à Jésus, plus ou moins bien, avaient globalement réussi leur vie, ou pas trop raté, avaient globalement réussi leurs enfants, ou pas trop raté, et qui étaient là et qui devant moi disaient « Allez-y, convertissez-nous ». Tu dis « Mais Seigneur, devant ces gens qui sont des ceintures noires de catéchisme, qui connaissent par cœur, qui vivent au quotidien, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors j'ai prié beaucoup en disant « Seigneur, il va falloir que je leur prêche. » Et est venue dans mon cœur cette parole « Dis-leur que j'aime leur fidélité. » Il y a une parole dans l'Épître à Timothée qui dit « Que nul ne méprise ton jeune âge, et bien que nul ne méprise ton grand âge, que nul ne se permette de te dire que ta foi n'est pas comme ci ou n'est pas comme ça. » Parce que si tu ne vis pas d'une manière explicite, extérieure avec l'Esprit-Saint au quotidien, à ton avis, comment as-tu fait pour rester fidèle pendant 50 ans, 60 ans à la messe, si ce n'était parce que moi, l'Esprit-Saint, j'étais là ? J'aimerais que vous puissiez aimer la vie qui a été la vôtre jusqu'à maintenant, de la part de Jésus, au nom de Jésus, parce que cette vie est belle, parce que cette vie est fidèle, parce qu'il était là. Et peut-être que cette phase 1 aura duré 4,9 cinquièmes de votre vie. Et alors, on a l'éternité devant nous. Il reste peut-être pour chacune et chacun d'entre nous 1/5 de vie pour passer de ce travail passif et silencieux de celui qui nous aime et qui nous a gardés fidèles à cette supplication quotidienne. Esprit Saint, transforme-moi. Comme Jésus transformait ses disciples. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis, il y a ce deuxième aspect de l'action de l'Esprit-Saint. Pourquoi sommes-nous baptisés ?
Pourquoi sommes-nous envoyés sur terre? Pour manifester la gloire du Père, certes. Mais quand on se regarde dans la glace, elle a une jolie tête, la gloire du Père. C'est pas Jojo tous les matins. On n'est pas tout à fait à la hauteur. Alors soit on se désespère, soit on se compare. Vous savez, hein, quand on se compare, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et par rapport à la manifestation de la gloire du Père, on a beau se comparer, on n'ira pas très loin. Alors on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour manifester ta gloire? Pour que les hommes, alors qu'ils voyaient Jésus, voient toi et se convertissent? Qu'est-ce que tu as prévu? Il faut lui poser la question. Alors il dit, ben, je vais prendre mon recueil et j'ai prévu toi. Oui, mais moi je m'appelle Jacqueline, j'ai 85 ans, je marche mal. Je m'appelle Antoine, j'ai 89 ans, je ne sais pas quoi faire. Je m'appelle Louis, ça fait 5 ans que je suis chrétien. Que veux-tu que je manifeste de la gloire du Père dans... Et c'est là que l'Esprit Saint vient nous dire la chose la plus importante. Depuis quand crois-tu que Dieu veut utiliser tes capacités? Il veut utiliser ton incapacité, ta faille pour venir se nicher à l'intérieur? Et il veut venir te recouvrir de miséricorde pour que tu puisses manifester la miséricorde à travers ta vie. Il veut te remplir d'amour pour que tu aies tellement d'amour que tu ne puisses pas le garder pour toi, que tu sois forcé d'en parler à ta cousine Berthe qui t'agace et qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne va plus à la messe parce que son curé était quelqu'un avec qui elle s'est pris la tête un jour et donc elle n'y va plus parce que l'Église n'est plus comme avant. Mais oui, c'est sur toi que je compte. Et l'Esprit Saint, parce qu'en plus il est très fort, veut donner à chacune et à chacun les grâces particulières dont vous aurez besoin au moment opportun. La grâce unique, la grâce d'État. J'ai eu la joie pendant près de 15 ans de diriger des colonies de vacances. Et les 5 premières années, je ne dormais pas la nuit. J'étais comme une poule avec ses poussins sous son aile pour être sûr qu'il n'y ait pas un bec qui dépasse, que tout le monde dorme, qu'il n'y ait pas de problème, que personne ne rentre jamais, qu'on ne puisse pas leur faire de mal, qu'ils ne soient pas malades. Les mamans savent ce que c'est quand ils ne sont pas rentrés à 23h01. On pense qu'ils ont dû être attaqués par un gang de gangsters ou d'orang-outans. Et finalement, ils rentrent à 1h du matin et c'était bien. Et ne pouvant plus dormir pendant 5 ans de colonie de vacances, je rentrais tellement fatigué qu'un jour, je lis cette histoire, c'est du bon pape Jean, alors toute proportion gardée évidemment, qui ne dormait plus parce qu'il y avait tous les problèmes de l'Église. Et il fait un songe la nuit où l'Esprit Saint lui dit « À ton avis, c'est qui travaille et qui dirige l'Église? C'est toi ou c'est moi ?» Au moins par courtoisie, il dit « Bien, c'est toi. Alors dors. Alors dors. » Et cette parole m'est revenue et un soir, dans la prière, je fais « Seigneur, là, je vais faire un truc de fou. Je vais dormir. Et s'il y a besoin, Esprit Saint, tu envoies mon ange gardien pour qu'il me réveille et qu'il me dise ce que je dois faire. » La première nuit se passe à merveille, personne ne me réveille. La deuxième nuit, en sursaut, je me réveille à 3h du matin. Et j'ai l'image d'un... Je vois dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi, enfin vous voyez, je rêve de... Je vois un enfant précis, dans une chambre précise, sur un lit précis, qui va rendre son dîner, qui va vomir. Prenant ma dignité en mon cou, à mon cou et mon pyjama, je sors de ma chambre, je prends un seau, je descends du bâtiment, je traverse la cour, je change de bâtiment, j'arrive à l'étage, déterminé, je passe dans le couloir, j'allume la lumière, je m'approche de l'enfant et l'enfant vomit. J'étais en train d'expérimenter quelque chose d'incroyable. Dieu, ça marche. Nous nous sommes tellement habitués à ce que nos prières puissent ne pas être exaucées, parce que ce serait presque une vertu d'abandonner tout, même le fait que de temps en temps, le Seigneur dit « mais pas du tout ». Et aujourd'hui, quand je viens vous raconter cette histoire, quel est l'intérêt de cette histoire? D'abord, j'ai pu dormir, et deuxièmement, je peux édifier le peuple de Dieu en lui racontant ce que par un pauvre type, le Seigneur est venu faire. Oui, je suis un type génial, bien sûr. Non, non, j'étais un pauvre type qui a besoin de dormir, et l'Esprit Saint est venu me réveiller en disant « va vers lui ».
Et quand on voit ces gens dans la Bible, l'Esprit Saint vient leur parler. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Prenons un exemple. Ananie. Vous connaissez Ananie? Ça vous dit quelque chose? Ananie, et c'est le moment où Paul est venu avec les lettres pour arrêter tout le monde, les égouiller, faire des prisonniers partout. Ananie est à Damas. Il est en train de ranger son garage ou de balayer son cellier après avoir rangé ses bouteilles de vin. Et puis Ananie, il sait que le Seigneur est là, alors il est toujours à l'écoute du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Ananie, j'ai besoin de toi. Tu vas aller à Damas, dans telle rue, dans telle maison, chez un tel, tu vas trouver un type qui s'appelle Paul de Tarse. Il est devenu aveugle, je vais l'utiliser, tu lui imposeras les mains et il va retrouver la vue. Ananie n'est pas du tout en cause le fait que le Seigneur va le faire. Quand le Seigneur dit, on fait. Il dit, Seigneur, il veut nous tuer, le gars. Peut-être ne sais-tu pas, Seigneur, qu'il serait bon que tu regardes les journaux télévisés, parce qu'il n'est pas gentil du tout. J'ai choisi d'en faire mon outil. Qu'est-ce qui fait qu'Ananie est allé imposer les mains, tout tremblant, fort de son incapacité et de sa trouille, à ce bonhomme dont les écailles sont sorties des yeux? Qu'est-ce qui fait? C'est juste qu'il avait compris que le Seigneur pouvait lui parler, mais l'Esprit Saint peut vous parler. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors on a bien compris que prêtre, ce n'est pas selon le sacerdoce ministériel, c'est l'autorité, c'est le sacerdoce baptismal du chrétien. Prophète, ça veut dire que nous sommes à même d'entendre la voix de Dieu pour les hommes. Et cette prophétie que nous avons en nous, nous devons juste accueillir le fait que le Seigneur aimerait qu'on s'en serve. Comment voulez-vous que le Seigneur annonce au monde entier en passant par nous si nous pensons qu'il ne peut pas le faire? Voyez, et je conclurai par là, l'Esprit Saint n'a pas besoin de nos qualités. L'Esprit Saint n'a pas besoin de nos compétences. Il les aime. Il nous aime. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'abord et avant toute chose que nous puissions nous laisser aimer par lui. Que nous puissions l'écouter au quotidien en lisant la Bible, en lisant les événements qui se passent, parce qu'il les habite, en lui posant cette question, que me montres-tu de la gloire du Père du ciel? Puisque je vais en profiter pendant l'éternité, je veux dès maintenant goûter, même si c'est du goutte à goutte. Nous sommes appelés par l'Esprit Saint à vivre du goutte à goutte du ciel, chaque jour. Écoutant l'Esprit Saint, le laissant transformer notre intelligence, notre cœur, notre foi, notre vie, nos corps même, nous rendre disponibles à l'œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu tellement miséricordieuse qu'elle est prête à passer par vous et par moi. Le Saint-Père nous demande de devenir des disciples missionnaires. Le disciple, c'est celui qui écoute son Père. Il écoute son Maître. Et mon Maître, si c'est l'Esprit Saint, il me manifestera la gloire du Père montrée en Jésus. Alors je voudrais la transmettre. Et pour que je puisse la manifester aux autres, alors que j'irai prier pour ma voisine qui est malade, je demanderai au Père, Seigneur, manifeste ta gloire. Alors il faudra, oui, que nous nous habituions à ce qu'il y ait des miracles par nos mains, à ce qu'il y ait des guérisons, à ce qu'il y ait des conversions. Tout cela n'est pas réservé à l'élite, c'est réservé aux pauvres, aux petits, à vous et moi. Alors soyons fiers d'être ceux que le Seigneur a choisis, ce qu'il y a de fou et de faible dans le monde, voilà ce que le Seigneur a choisi. Amen.